En 2015, Galmaison change de look. Il sera encore plus riche, encore plus beau, encore plus complet qu'avant. Vous êtes curieux? Moi aussi. Jusqu'à présent, le Galmaison était composé d'un tiers d'intérieur, l'inspiration, d'un tiers de news, actualité, et le troisième tiers était simplement des dossiers pratiques. Cet été, nous avons sorti le WOW. Le WOW, c'est une sorte de best-of avec les plus beaux intérieurs des dernières années dans Galmaison. En fait, en période très creuse, le WOW a autant vendu qu'un numéro normal de Galmaison. Eh bien, le succès du WOW nous a prouvé ce que nous pensions depuis longtemps, notamment que nos lecteurs ont vraiment besoin et ont vraiment envie d'avoir encore plus d'inspiration. Et plus d'inspiration, c'est justement ce qu'on va leur donner. Mais comment faire? En fait, c'est tout simple. La moitié du magazine sera composée d'inspiration. Puis un quart sera composé de news et d'actualité. Et le dernier quart de dossiers pratiques. Mais pas de repositionnement sans relooking visuel, naturellement. Donc, le layout va aussi changer de robe. Nos intérieurs seront encore plus classe et plus upscale. Et à côté des intérieurs belges, nous allons aussi montrer plus d'intérieurs internationaux parce que il faut être honnête. Qu'est-ce qu'on veut? Que veulent les lecteurs? Rêver. Pour arriver à concrétiser tous ces changements, il fallait naturellement plus de pages. Et c'est ce qu'on va leur donner, plus de pages. On va monter à 250 pages pour un exemplaire de Galmaison. C'est beaucoup. Pour cela, nous avons opté pour seulement 6 parutions au lieu de 9 parutions par an. Ce n'est pas une mesure économique car en 6 numéros, on va donner encore plus d'infos, encore plus de contenu, plus d'intérieur, plus de dossiers. Donc voilà, c'est absolument pas économique. Le lecteur aura vraiment de quoi lire et de quoi rêver. En plus, le magazine restera deux mois dans les magasins et beaucoup plus longtemps sur la table de salon. Cela signifie bien sûr plus d'exposure pour l'annonceur. Et j'ose vraiment dire que tout le monde y gagne. Les lecteurs, les annonceurs, mais aussi nous qui faisons le magazine. Car pour nous, c'est vraiment un aboutissement. On va enfin faire le magazine dont on rêvait. Je suppose maintenant que vous êtes très curieux. Il faudra encore un peu de patience. Mais rendez-vous le 4 février, la date de parution du nouveau Galmaison.